C'est l'arme idéale pour terrasser un rival. Certains spécialistes avancent même l'hypothèse que le cou de la girafe aurait évolué ainsi pour pouvoir se battre. Et comme ils grandissent toute leur vie, les mâles les plus vieux partent souvent favoris. Ce champion a 10 ans et fait 30 cm de plus que son jeune adversaire. Le plus âgé ouvre les hostilités, mais son jeune rival lui répond coup pour coup. L'aîné use de son long cou pour frapper en dessous de la ceinture. Un seul coup bien placé pourrait occasionner une blessure et clore l'affrontement. Les coups sourds résonnent à 100 mètres à la ronde. Le jeune mâle ne se laisse pas démonter. L'articulation de ses cervicales lui donne une souplesse phénoménale. Il utilise sa tête comme un fléau d'armes. Le champion percute le corps de son rival à maintes reprises. Le spectacle est d'une brutalité troublante. Mais sa violence va encore monter d'un cran. Les girafes sont prêtes à tout, allant jusqu'à viser la tête d'un adversaire pour le mettre hors jeu. Le sang doit gravir les 2,50 m du cou pour irriguer le cerveau de l'animal. Si cet approvisionnement est coupé, ne serait-ce qu'un instant, l'animal peut perdre connaissance. Une simple pichenette à l'arrière du crâne suffit. Le jeune mâle s'affale par terre, KO.